Dans la vie de tous les jours, il y a des choses qu'il faut prendre en considération, à savoir chaque petit pas t'amène vers ton objectif. Garde confiance, garde espoir, protège tes rêves et continue d'avancer. Seuls les perdants abandonnent. Les gagnants perdent jusqu'à arriver au sommet. Et il faut savoir que la douleur du regret est plus difficile à supporter que la douleur de l'ignorance. Les gars, lorsque je l'ai dit, vous êtes comme ça, connectés sur la chaîne Entrepreneur Web 3.0, la chaîne du peuple pour le peuple et pas le peuple, cette chaîne qui sera toujours plus proche de vous, qui vous partagera toujours des projets émergents, des projets qui vous apporteront toujours de la valeur. Sachez qu'ici, nous parlons d'entrepreneuriat, nous parlons de projets crypto, nous parlons de métaverse, nous parlons comme ça d'NFT, nous parlons comme ça d'éducation financière et nous sommes convaincus que c'est l'éducation financière et le savoir qui te feront grandir. Donc en même temps, nous avons un programme de formation taillé sur mesure. Voilà, ne l'oubliez pas, c'est très très important, c'est très très important. Sachez que dans l'écosystème des crypto-monnaies, le risque de volatilité est extrême, le risque de perte est vraiment élevé, c'est trop trop risqué. Donc sans formation, sans matière grise, sans jugeote, vous allez comme ça passer à côté au lieu de gagner de l'argent, vous allez plutôt perdre. Parce que dans notre communauté, nous avons créé des formations qui vous mettent comme ça dans un sillage où vous êtes capable de faire des profits. C'est de cela qu'il s'agit. Et à ne pas confondre, la chaîne Entrepreneur Web 3.0 n'est pas une chaîne de conseils d'investissement. Voilà, c'est une chaîne qui partage au quotidien son savoir, ses connaissances à travers cet écosystème. Voilà, elle partage comme ça toute l'actualité qui tourne autour de l'écosystème des crypto-monnaies. C'est très très important. Raison pour laquelle toi qui regardes cette vidéo, tu dois t'abonner maintenant pour ne rien louper, pour être notifié à chaque fois qu'une vidéo sera publiée. C'est très très important. Car l'information nuit à celui qui ne l'a pas. L'information nuit à celui qui ne l'a pas. Qui détient la bonne information détient le pouvoir, les gars. Je ne cesserai jamais de marteler cela. N'en déplaise à certains, qui détient le pouvoir, qui détient l'information détient le pouvoir. Rappelons-nous du Bitcoin en 2009. Rappelons-nous de 2017. Rappelons-nous de 2015. Et il y a un principe dans les crypto-actifs. Premier arrivé, premier servi. Si tu arrives en premier, tu te sais comme il faut, tu auras le résultat qu'il faut. Les gars, vous devez prendre cela en compte. Vous devez intégrer cela à partir d'aujourd'hui. Donc, c'est très, très important. Je vais partager avec vous quelques informations importantes concernant le projet Baby Doge. Vous savez que Baby Doge a été mis à jour sur CoinMarketCap parce que il y a de cela quelques jours, Baby Doge était à la 4000e, à la 4000e place. 4000e place, c'était très très loin. Or, et pourtant, la position de Baby Doge selon le marché actuellement est à la 233e place. Voilà, c'est important. On voit très bien que le Luna est devant. Le Luna classique est devant Baby Doge. On voit ici le Velas. On voit ici le Wikileaks qui est le Wink Link qui est devant Baby Doge. On voit aussi que Doge Elon est devant Baby Doge. On voit aussi que APEFNT est devant Baby Doge. On voit aussi que The Standbox est devant Cosmos. On voit ici ApeCoin. Voilà. Shiba occupe actuellement. Shiba a gagné une place de plus. Mais aujourd'hui, nous allons nous attarder sur Baby Doge. Voilà. Nous allons nous attarder sur Baby Doge, voilà, parce que il est question pour moi de vous, il est question pour moi de marteler cette information, ce qui est très très important, voilà. Donc je vais faire une petite capture d'écran là pour entendre. Je vais faire une petite capture d'écran là parce qu'il était question de montrer déjà la totalité des crypto-monnaies. Parce qu'actuellement, il y a 19 millions actuellement à l'heure où je vous parle. À l'heure où je vous parle, il y a 19 millions, 19 000, voilà, 19 000, 19 000 crypto-monnaies qui existent, qui sont listées sur CoinMarketCap. Voilà. Maintenant, dans les 19 000, il y a beaucoup de crypto-monnaies scam, des crypto-monnaies qui ont des projets juste sur le court terme. Ils viennent, ils lancent le ICO, dès qu'ils ont le fonds, ils disparaissent avec la caisse. Ils sont nombreux là-dedans, les gars. Vous devez faire très très attention. C'est pour ça que vous devez être formé. Voilà. Vous devez être pour pouvoir démanteler celles-là parce qu'il y a plusieurs projets qui viennent là. Et ils arnaquent, ils partent à la caisse. Ça, c'est également, nous dénonçons cela. Et de deux, il y a les crypto-monnaies qui n'ont pas beaucoup de potentiel et qui ont des baleines, des baleines qui gonflent, qui gonflent les caisses. Et à un moment donné, lorsque la personne a valeur, ils vendent tout
La pierre chute et c'est encore difficile qu'elle remonte. Il y a plusieurs cas de figure. Exemple à quel vous devez vous informer, vous devez vous former là-dessus. C'est très très important. Donc, sur les 19 000 crypto-monnaies qui existent actuellement, Baby Doge occupe la 200. Vous voyez que ça grandit. Donc, pour moi, je pense que, à mon avis, je suis convaincu que Baby Doge, c'est un projet qui rendra plusieurs personnes milliardaires et millionnaires dans l'écosystème des crypto-monnaies. C'est une chose est sûre. Une chose est sûre. Voilà. Donc, l'information était là. Je vais revenir là, ici, là, j'étais où? Il était question. Attendez un instant. Je vais chercher l'information que dedans je dois partager avec vous. Un instant. Je vais aller un instant ici. Voilà. Voilà. Donc, j'ai retrouvé la page dont je cherchais. Donc, c'est-à-dire, il revient encore. Je reviens encore avec Baby Doge. Toujours Baby Doge. Donc, Baby Doge, c'est un projet qui va surprendre plus d'un. Parce que vous, ceux qui suivent cette chaîne depuis le début savent que c'est un projet que je porte. C'est un projet, je crois, moi personnellement, je crois en ce projet. Parce que j'ai déjà gagné énormément avec ce projet. Parce que tous les jours, je gagne avec Baby Doge. Moi, j'ai mis en place des stratégies qui me font gagner de l'argent tous les jours. Même quand la pièce chute, je gagne toujours de l'argent. Parce que ce sont des stratagèmes. Donc, actuellement, il y a plus de 19 920 000 pièces qui existent au monde entier, qui existent sur CoinMarketCap. Voilà. Sur la plateforme de cotation, Baby Doge occupe actuellement la 233e place. Voilà, donc il y a souvent ça varie. Il y a des jours, il y a des moments où ça a 200, 230, 240. Bon, ça varie. Hein. Il y a c'est même arrivé jusqu'à 244. Voilà, donc tout cela avec une capitalisation boursière de 43 millions. Voilà, juste derrière Scap, voilà, qui vaut environ 0,1. Voilà, on a aussi Metacrash qui vaut environ 2 dollars, 2,74 $. On a aussi Link qui vaut environ 35 dollars. Voilà, sans oublier le nouveau Terra Luna qui est à 200, 200, voilà, 200, 20e place. Mais les informations que j'ai ici datent de quelques heures. Voilà, parce que actuellement, lorsque je viens ici sur la plateforme de cotation, on voit très bien que. Voilà, le Luna, ça change à tout moment, hein, ça change à tout moment en fonction de la capitalisation boursière de chaque crypto-monnaie, donc tout change au fur et à mesure. Donc Baby Doge, le Luna classique est à 216e place, 216e place, voilà, ça varie, il y a encore 8 clics qui a changé, mais il y a des crypto-monnaies qui sont remplacées, mais bon, ça va, c'est pas grave, c'est l'information qui est importante ici de Terra Luna, voilà. Donc, survolons aussi, donc on a aussi. Thundercoin, voilà, plusieurs crypto-monnaies, Alchimie, Alpine, Paris Saint-Germain, voilà, Love Portion, voilà, Lazio Fan Club, Celtic, ce sont comme ça des crypto-monnaies qui ont du potentiel, qui sont listées sur Binance. Donc, voici les crypto-monnaies qui sont listées sur Binance que je viens de citer là, ici, là. Bon, cela veut dire, cela ne vous dit rien, voilà, si vous n'avez aucune crypto-monnaie. De grâce, ayez au moins Baby Doge, voilà, c'est pas minimum 10 millions, 10 milliards, voilà, donc de pièces si vous voulez mourir, si vous voulez pas mourir dans la pauvreté. Baby Doge, c'est l'opportunité du siècle, voilà, Baby Doge, c'est l'opportunité du siècle. Mais il faut savoir que moi, je vous demande pas d'investir, voilà, je vous demande pas d'investir, ça, c'est mon sentiment à moi, ça l'engage, comment ça propose aussi m'engage. Donc, si vous voulez investir, faites toujours votre Dior. Faites toujours vos propres recherches et prenez vous-même votre décision personnelle. Donc, en fonction de votre ressenti, investissez en fonction de votre ressenti. Et même si vous voulez investir, investissez surtout ce que vous, même si vous perdez, ça n'impactera pas votre trésorerie financière. Et une chose que vous devez savoir, lorsqu'on investit en crypto-monnaie, déjà de 1, à partir du moment où vous avez investi, vous avez déjà perdu à l'avance. Au moment où vous investissez, c'est déjà une perte. C'est déjà une perte. C'est déjà une perte parce que tout peut arriver. C'est déjà une perte. Mais lorsqu'on est formé, on met en place des stratégies pour pouvoir tirer des profits, pour pouvoir être rentable. C'est ce que nous faisons. Nous ne faisons pas la magie. Nous nous sommes formés dans le temps. Et il faut voir qu'à l'époque, on n'était pas suffisamment formé. On était plutôt focalisé sur les plateformes d'investissement qui nous ont ruinés. Voilà. Et nous nous sommes remis en question. Nous avons pris. C'est même à cause de ça que nous avons raté le projet Shiba. Voilà. Plusieurs personnes ont raté le projet Shiba à cause des plateformes d'investissement, voilà, qui promettaient des rendements fallacieux qui n'avaient ni tête ni queue et après ils sont partis à la caisse. Voilà. C'est ça alors qui a perturbé la majorité des investisseurs. Parce qu'ils étaient concentrés là-dessus. On a des plateformes telles que les MPRO, les Petron Pay,
les gringoles, voilà, les plateformes qui ont vraiment ruiné. Mais aujourd'hui, les gars ont vraiment pris conscience, ils savent que les données ont changé, les données ont vraiment changé maintenant. Donc ce n'est plus ce qu'on, ce n'est plus ce qu'il y avait de cela. Nous sommes en 2021 ou 2020, voilà, où les plateformes d'investissement avaient vraiment pollué l'environnement. Voilà. Maintenant, les gars ont pris conscience, on a compris que c'est l'investissement sur le projet crypto, voilà, qui est vraiment important pour notre communauté. Donc les gars, je tenais à partager cette information avec vous. Donc les gars, lorsque je l'ai dit, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à nous proposer. Voilà. Et si vous voulez qu'on aborde d'autres sujets, voilà, n'hésitez pas, comme j'ai dit tantôt. Voilà. Abonne-toi si ce n'est pas encore le cas. Like cette vidéo et partage-la à l'échelle internationale. Donc lorsque je l'ai dit, retournons-nous de l'autre côté. Bye bye. Et plus c'est tout.